fois, j'ai vu sur internet iPhone 14 Apple pour 150 €, mais il a une douille. Une nana, une arnaque. C'est quoi une douille? Une douche et une arnaque. Ok, ok. Wesh les frérots, c'est tonton démonexion. On est aujourd'hui les refs avec Nadim pour la série de vidéos que vous kiffez les refs, les essayez de ne pas rire. Je crois qu'on est à l'épisode 4. On en a fait deux ensemble, un avec Rémi et on en fait un ici tranquillement. Zizou il a pas pu rentrer donc Zizou il est pas là. On va le faire le prochain avec Zizou, ok? Donc les refs, on est là à l'épisode 4. Je sais que vous aimez bien cette série mes frérots. Je sais que vous m'envoyez beaucoup de dingueries, je sais qu'on rigole beaucoup, mais cette fois-ci on va essayer de pas rigoler. Ouais. Ok. Non, surtout non. C'est toi. Non. écoute. Cette fois-ci on rigole pas une seule fois. Mais surtout c'est toi qui vas rigoler. Je sais, c'est moi, je rigole pour des trucs de débiles, mais vas-y, cette fois-ci on rigole pas. C'est bon. Je suis confiant, t'es confiant. Est-ce que t'as envie de rire là? Non. Ok, c'est pas. Non. Écoute, très curieux, je suis très pressé de découvrir vos petits montages. La vidéo, genre on va être même pas mouillé. Non, pas mouillé, pas une seule fois. Okay. Vos montages, les refs, vous pouvez l'envoyer à cette adresse qui va s'afficher juste ici ou sinon c'est dans la description. Donc là, on va compter les points, c'est nous contre les abonnés. Les refs, si vous voulez encore d'autres épisodes de cette série-là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous me pétez les pouces bleus. À chaque fois, dès qu'on atteint les 10 000 pouces bleus, on fait un prochain épisode sur cette série. Oh Nadim, le petit casque, carré, ok, ça c'était un abonné qui nous l'avait envoyé, il est super carré, il est beau, je vais prendre mon casque. Gomé. Ah. Gomé. Après, avec cette musique frère, ça y est, elle est passée. Allez. Non mais attends, je vais pas rester comme ça, le fil il est passé long, tiens, donne-moi, je vais prendre celui-là. Mec. Non mais attends, je suis vraiment pas prêt frère. Mais Nadim, on va pas rigoler, ok? Je suis pas d'humeur à rigoler ça. En fait, dès qu'on... En fait, c'est toi qui me rigole. C'est moi qui je te rigole. Ok, vas-y, j'arrête de te rigoler. On commence avec le premier montage, tu peux prendre la gorge, Nadim. Qu'est-ce que tu fais? Je rote. Oh, trop stylé. Pourquoi y'a des poils? Casse-toi. Ah ouais, ça va. Juste ça fait. Je t'ai dit, on rigole pas une seule fois. Je te rappelle, c'était la vidéo poterie. Elle était bien montée. Ok, je valide le montage. Mais c'est bon, on a pas rigolé, frère. On rigole pas. On passe au suivant? Ouais. On est chaud, là, Jim. Arrête. Ah, j'arrive. Si je rigole là, maintenant, ça compte pas. Mais gomme, merci. Avec chocolat. Arrête avec cette musique. Le prodige du skate, James, participe à un shooting organisé par le réalisateur Josh Anderson. À l'âge de 13 ans, James se concentre sur son skate. James est l'un des meilleurs frontside élite du business. Il n'y a personne qui a ce style. Et c'est Tricks à son âge. Il a un potentiel énorme. Son objectif, devenir skater professionnel. Et pour y arriver, il n'a pas peur d'y aller à fond. Calme. En vrai de vrai, là on s'est mis dans un vrai mental, ok? Si on n'avait pas pour objectif de gagner, je te dis j'aurais déjà rigolé moi. Là il a 2-0. Exactement, on n'a pas encore rigolé les refs. On est super en place Nadim. T'es bon, je suis bon, on rigole pas. Les montages sont très très bons, mais là on s'est mis dans un vrai mental, on rigole pas. On continue. Troisième montage. Eh bah ouais. Bon fromage fondu. Oh, j'ai pas vu. Nadim, attends, c'est quoi Nadim, attends. T'as les petits pois du jardin. Nadim, attends. C'est les petits pois, ils sont pas à vous, ils sont à moi. Ça compte pas. Mais comment ça compte pas, c'est fini. Mais j'ai pas vu. Bah fallait boire. Mais j'ai bu, après j'ai avalé. Mais t'es débile toi, t'es pas là pour boire de l'eau mec. Oui. T'es là pour essayer de ne pas rire. J'ai bu. Et à la fin, j'ai avalé. Je m'attendais pas à ça. En fait, là, je suis dégoûté, tu vois. Parce que les deux montages d'avant, ils étaient plus drôles que celui-là. Et là, je rigole pour un truc de trou de fesses. J'aurais pas dû rigoler. Bref, 2-1, c'est pas grave. Gomé. On se met une photo ou une vidéo? J'ai vu qu'il y avait deux photos. On met les deux photos? Ok, première photo. Les deux photos ça va. La plus rigolote. Le SDF il était pas mal. Le SDF j'avais pas vu arriver. 3-1 pour nous. 3-1 pour nous.
Comme d'habitude, les refs, il y a une petite sélection. Je prends au hasard et on envoie. Tout semble calme. Le terrain est dégagé. Pourtant, ces serpents ont surgi de nulle part. Ce nouveau-né est une proie de choix. Mais sent-il le danger? Rapide comme l'éclair, ces reptiles sont petits et venimeux, mais ils ingurgitent après les avoir étouffés toutes sortes d'insectes, de rongeurs, des poissons échoués et bien sûr, des iguanes. Serpent venimeux. Ce bébé a sauvé sa vie. Oh non, j'ai abusé. Pourquoi j'ai craché devant? Oh shit! Oh ouais, la caméra! Nadim, t'as pas rigolé toi? Ouais, j'ai pas rigolé. Bon, moi j'ai pas réussi à tenir, mais. T'as rigolé quand j'ai en fait un serpent venimeux! Non, j'ai rigolé sur le cri là. Là, tu passes en courant là. Celui-là, il m'a fait rire. Il est bien fait le montage, il est drôle. Ok, ça passe bien. J'ai pas tenu, mec. Je suis désolé, 3-2. Je suis désolé, pour l'instant, c'est toi qui portes l'équipe, mec. Ok, je porte vraiment l'équipe. Tu portes vraiment l'équipe, mec. C'est-à-dire là, un demi. Quoi? Genre, il a deux demi. Vas-y frère, je comprends rien ce que tu racontes. Toi. Vas-y. On continue avec la prochaine vidéo. Il y a 3-2. C'est bon, t'es chaud? Je balance, mec. Avec ce puissant moteur numérique, une nouvelle ère commence. Elise Pater, il est là. Et inventer l'aspirateur sans fil. Elise Pater. Oh, votre aspirateur principal. Elise Pater, ouais. Pour nettoyer en profondeur dans toute la maison. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Quelle date correspondant à l'Égir? Marie-France. 622. Bataille de Buzzer remportée par Marie-France. Bonne réponse. Il a changé. Lorsqu'il est pratiqué, quel sport devient une activité de loisir qui consiste à se renvoyer un volant? Bataille de Buzzer, que Maxime. Remportée, vous donnez la bonne réponse. Oh, c'était beau. Il change. Je nécessite d'avoir assez d'espace pour pouvoir tourner sans encombre. Faisons appel à la rapidité. La chaise musicale. Oui. Il a changé. Une longueur très variable, être passé dans une bélière. Un vrai serpent lumineux. Non mais oh, Nadim, j'essaie de me retenir. Le truc du... Il a changé. Ça c'était la vidéo roller, non? Quand tu faisais un chiffon avec Rémi. Il a changé. Nadim, j'ai essayé, mec, mais j'ai pas pu. Un vrai serpent lumineux. Oh mais tu sais que le serpent lumineux, il est incroyable, mec. T'as vu un vrai serpent lumineux, toi, en plus. Je te jure. C'était une bête, c'était genre un vrai. Pourquoi il faisait. Je te jure. Vas-y, je te crois. Mec, il y a combien? Il y a 4-3, je crois. Bah non, il a. Il y a 3-3. Il y a égalité, mec. Oh my goddess! Check water! D'abord, nous allons commencer par les présentations. Je m'appelle Sakura Haruno. Enfin, celui que j'aime par-dessus tout. Mon nom est Sasuke Uchiwa. Comment il t'a placé là? Comment il t'a mis ici? T'es où? Mais attends, j'ai pas compris la suite, attends. Que j'aime par-dessus tout. Mais normalement, c'est Sasuke qui montre là. Oui, des fois, t'as des têtes bizarres, toi. Que des têtes cheloues, toi. Mec, je suis désolé. T'es mal à dinguerie, wesh. En fait, je suis le seul à faire perdre l'équipe, mec. Ça va pas. Et là, il a 3 à demi. Bah oui, c'est... Vas-y. Il y a 4-3 pour les abonnés, là. Je crois qu'il en reste plus beaucoup. Il doit en rester 2 ou 3, peut-être. Nadim, les derniers, je rigole pas. Tu me fais confiance? Tu me fais confiance ou pas? Quand je vends celle-là à la tête. Non, par contre, ça compte pas. Il y a 2 points d'avance pour les abonnés, mec. Je crois qu'il en reste encore 2. Ah, ça va. Prêt? Gomé. Tchon. Don't you go insane,
Celle-là, ça va. Il y a un point d'écart. Il y a un point d'écart. Soit celui-là, ça fait égalité, soit on perd. C'est bon? Si on rigole, ça fait moins 2. Si on gagne, ça fait 3. Attention! Elle est incroyable, elle est incroyable. Mec, je pouvais pas me retenir celle-là. Là, il a mis toi, genre en train de bouger tes fesses là. Là, sur le deuxième aussi. Là, c'était la vidéo poterie, mec. C'était la vidéo poterie où tu faisais n'importe quoi. C'était trop une surprise, je pouvais pas, mec. Donc, on a perdu. Nadim, c'est la défaitada. Bon, Nadim, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'ai rigolé presque à tous. En plus, on a dit qu'on a même pas rigolé. On n'a pas rigolé? Si. Non? Si. Non? Oui. Non. Bon, mec, on a perdu à cette vidéo-là, ok? Mais à la prochaine, on prend notre revanche. La prochaine, on attendra Zizou. Les frérots, explosez-moi les pouces bleus à 10 000 pouces bleus. On fera le prochain épisode avec Zizou. Et envoyez-moi bien vos montages, les refs, à cette adresse mail-là. Et non, ensuite... Non, à cette adresse mail-là. Ok, celle-là. Et la prochaine, aucune défaite. Non mais Zizou, il va rigoler. Non, Zizou, il rigolera pas. J'ai confiance en Zizou. Abonnez-vous, c'est pas encore fait. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour le essayer de ne pas rire. Ah, gomé, gomé, gomé. Mais calme-toi. Calme-toi.